Star Wars Jedi Fallen Order 2256 FPS. C'est beaucoup. Donc, on reprend le jeu. Il y a eu. Il y a peut-être eu un patch. Ça, c'est. La situation de ce jeu vis-à-vis de... des patchs est assez compliquée entre le fait qu'il soit sur Steam et pas tout à fait. C'est compliqué. Quoi qu'il en soit. L'idée, c'est que ce fameux patch qui a peut-être ou peut-être pas eu lieu est là pour améliorer le problème de temps de chargement. Donc on va tester ça de la seule façon que je connaisse pour l'instant, c'est-à-dire aller dans le trou où il y a le gros crapaud et voir si si le jeu il revient tout de suite dès que je meurs après, parce que je vais mourir tout de suite. Ça me semble à peu près sûr, donc voilà. Interconnecteur doit être réparé, faire marcher l'appareil. What? Ah oui, il faut que je répare le robot, il avait un truc pété. C'est vrai. Je vais essayer une fois le crapaud. Donc, je vais essayer une fois. Et oui, j'ai fait un saut vers la gauche, mais le mur, il tourne. Et contrairement à Prince of Persia, où le prince peut coller au mur, au sens très littéral, notre Jedi, il peut pas. Ce qui est normal. J'aurais du mal à voir comment il pourrait coller au mur. Cassez-vous les herbes. Bon, ça, je sens quelque chose. Ah, y a de la nature. Oh. Oh yo, les bestioles. Je crois que je suis pas passé par le bon chemin. Je suis passé par le chemin qu'on n'avait pas fait. Quoi qu'il en soit, des bestioles. That's a really big bug. Alors, j'essaye la parade, mais je suis pas au taquet, hein. Ok, on va essayer un peu plus. Hop, de la vie. Concrètement, normalement, il faut que j'appuie au bon moment. Mais le problème, c'est que leur attaque, je suis pas trop habitué à leur timing. Ouais, alors si vous faites ça, c'est chiant. Voilà, comme ça qu'on fait. Raté. Le truc qui est chiant, c'est qu'entre le moment où on arrête de parer et le moment où on peut recommencer à parer, il y a un petit délai. Assez dégueulasse. On va y arriver. Il faut s'entraîner. C'est misérable de ma part. Je veux dire, j'ai plus aucun style. Il y a quelque chose en dessous là? Oui. Ok, lui il va sortir du sol. Back! Non mais oh! J'ai plus de vie, c'est pas le moment de me faire chier. Et ce c'est. It was after boggling eggs and the pack fought back. On est d'accord que je m'en fous. <C'est>... Ouais, des bestioles agressives ont tué une autre bestiole agressive. Oui, je m'en cogne en fait. Non, par là. Hop. Pardon? Normalement, ça colle au mur le Jedi. Pas le dire comme ça, mais... Et voilà. Attendez, où je suis sur la map, là? Eh, je peux retourner là où j'étais avant, ce qui m'intéresse pas des masses. Orange inexploré. Ouais, mais en même temps, j'ai pas envie de tomber dans un trou, là. Quelque chose là-haut? On va pas le déranger lui. Ça a l'air d'être une grosse bestiole. Est-ce qu'on peut descendre facilement par là? Il va s'accrocher si je le fais marcher au bord du trou. Pas du tout. Par contre apparemment je suis indestructible.
Alors, vous noterez que je suis tombé de quoi, 1 km ? Et je ne suis pas mort. Par contre, va falloir que je trouve un bouton pour s'accrocher sur les rebords quand on descend, parce que... Ça fait mal. Enfin, ça peut, ça devrait faire mal. Il se trouve que ça a pas fait mal, là, mais... Ça aurait dû, je pense. Ouch! Ouais, j'ai vraiment du mal avec le timing dans le jeu. Je veux dire, les timings des attaques des monstres, le tel qu'ils font et tout, j'ai vraiment du mal. Ne prends pas une minute, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Bon. Tout ça, c'était bien rigolo, mais on n'a rien trouvé de spécialement intéressant. J'aurais bien voulu descendre sans chuter comme un gros sac. Mais on ira plus tard. D'abord, on va faire un petit peu d'histoire, c'est-à-dire on va réparer le robot. Tintin. Ouais, c'est bien. J'ai besoin d'un atelier de travail. Et ce c'est que ce soit. What's this thing? What? You've never seen a terrarium before? Sure, but don't they usually have plants in them? Well, I've been a bit busy hauling you around the galaxy, but you know you could pay me back with some seeds. I thought you hated nature. When it's out there, you betcha. But when it's behind a comfortably thick wall of unbarred glass, that's perfection. All right, I'll see if I can find any. Ok, donc c'est un des collectibles. On en a trouvé une tout à l'heure. Enfin, la dernière fois. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, parce que pour le coup, celui-là, je l'enregistre plusieurs jours après. Ça se voit un peu au fait que je sois rouillé, mais bon. Alors, personnaliser le sabre laser. Couleur. Ah ah. Un bleu, c'est bien. Émetteur. Ah ah. Qu'est-ce que ça change? Pardon. Est-ce que ça change quelque chose? J'ai mieux ça quoi, c'est quoi? Interrupteur. Ouais. Je suis sûr que ça devrait changer quelque chose, mais je vois pas trop quoi. Peut-être les dégâts, ce serait facile. Bon. Super. Tu viens de casser la lampe. Par contre, est-ce qu'on avait pas un moyen de... Genre un truc pour réparer le petit robot? Il me semble que il y avait un moment, le jeu avait dit ça, genre blablabla, réparer le robot. Dans le vaisseau peut-être, ou dans un atelier. Utiliser l'eau lotable. Ça c'est probablement pour les déplacements. So, next. Next, rien du tout. Je répare le robot d'abord. Seer, can you feel the force at all? Yes. But instead of opening up, I push it back down. The exact opposite of what you should do. Out there, I remembered something about myself before the purge. It was painful, but like I found a piece of myself. That's good. You're learning to embrace the force again. How can you say that? Because I know what it means to live without it. Okay. I'll keep trying. Okay. Qu'il y a un niveau de classification de difficulté dans ce genre de choses. Vous êtes ici. Alors, je suis sur Bogano. Je peux aller sur Datomir. Ou je peux aller ici. Utiliser l'holotable du menti. Oui, ben ça va, je suis en train de le faire. Zepho. Eh bien, écoutez. Il est content, moi. What is that thing saying? I don't know why people have droids.
Tell that to him. He can understand you. He can? Look, I didn't mean anything by it. Droids just freak me out. What doesn't? You sound like an imp. They deactivate droids just because they can. That makes him one of us. Huh. Oh. Tough break. J'aurais bien aimé un petit effet à la... au Millennium. Mais bon. Bouge pas les boutons, toi. Vous savez, il est fait avec les points blancs. Mais bon, on va tout avoir, je suppose. Il y a un storm brewing down there. This might not be the best time to land. Something strange. Those winds are interfering with our comms. Hey, Cordova mentioned something about peace in the eye of the storm. I can just make out a settlement in the middle of it. Then we have to get there. On n'est pas censé se cacher. Non, parce que si on se cache et qu'on se jette sur le premier village qui passe. Couple bombs ain't gonna kill you, kid. Unless the wind picks up. Can you tell that bucket of balls to keep his opinion to himself? I'm sure everything's under control. It's under control, it's just a little tricky. Moi, dans mon jargon, on dit que c'est compliqué. Ok, hold on. Ah voilà, touche le sol. Perfect landing. Greasy money, baby. But I'm still getting a lot of interference on the comms. It's gonna take me a minute to get them back up. Ah, on va se promener. Search for signs of Cordova in the meantime. Good. I'll be in touch once I crack this. Cal, over here. Déjà? You did good work on Bogano. The more information we gather on Cordova and the Zepho. Des petits faux raccords quand même. Ancient cultures, but don't know much about them. I only knew that Cordova was obsessed with the Zepho, believing their teachings to be important. I too was intrigued by the mysteries of our galaxy. You better get moving. There's a lot to learn here. Good luck. Genre, elle nous dit pap, et puis d'un coup pouf. C'est un peu. Ah, la civilisation. Fini les plantes. Ah. Good work. Oh, we did it. We did it. I hope you're not hurt. What are you looking at? Who are you talking to? Just my ship, the Manis. Good name, right? Intimidating. Oh, what do you know? You probably never even flown a ship. Maybe I'll teach you one day when you're done with your Jedi stuff. I'll even give you a discount. Nice landing, Grease. Me? Oh yeah, not a problem. It's easy for a skilled pilot like myself, especially when flying a ship like this. This baby was a steal. Well, I mean, I didn't steal it. I bought. Je crois qu'il a une histoire, lui. Well, I sort of, almost. I mean, I took out a small loan, big loan, actually. No, it's fine. Look, we're all fine. Don't worry about it. Don't you have Jedi stuff to do? Get to it, kid. Certes. Mais je suis suspicieux sur ce personnage qui aurait pris un prêt et qui fuit l'Empire et tout ça. Ouais. Je surveille. Hop là. Pom 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 pom. Alors, vous savez quoi, on va commencer par ça. Le rouge, on peut pas. C'est pratique. On peut soit aller à droite, soit aller dans le bâtiment. Il ressemble à une structure. À une structure. Un hangar désaffecté, merci. Blu blu. What? Je sais pas lire ça. Caisse de stockage. Les caisses de stockage. Merci! Oh, franchement, le lore, il est profond, hein. Oh, ça, je sais ce que c'est, par contre. Hey now. Oh, something was in there. Ouais, je suis pas fan des ponchos. Réalistiquement, c'est probablement ce qu'il y a de mieux quand on est dans la glace ou le vent, tout ça.
Et on est dans un jeu, ça va. Ouais, je fais des traces de brûlure sur du tissu, les gars. Hop, 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 hop. Ce symbole, là, je crois que c'est des gens pas cool. Voire même de l'Empire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment on fait déjà pour s'éclairer avec le sabre? Attendez, on va reprendre un petit peu de... Lampe simple, non, c'est pas ça. On verra si le problème se représente. Non mais sérieux, il y avait un machin qui me faisait... On pouvait faire lumière au sabre. C'est peut-être juste la parade en fait. Et contextuellement, dans les zones sombres ça le fait, et dans les zones pas sombres ça le fait pas, quoi. Bon, du coup on pourra pas passer par là, on va faire le tour par l'extérieur. Je suis surpris. Alors qu'on est dans une tempête. Une grosse bestiole. Après, je sais comment ranger et sortir mon sabre, c'est bien. Pom 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 pom. Même pas au ralenti sur ces... Watch out, BD. You don't look friendly. Oh, 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 oh. Ok, c'est vrai que rouge, c'est pas bloquable. J'avais oublié. Par contre, il y avait un Stormtrooper là. Tu marches dessus, certes, mais... Cal, can you hear me? Yep. They found Zeppo. If they were following the Mantis, we would have been swarmed already. Did they be looking for the tombs? Let's hope not. Just got our comms working. I'll try the same workaround to crack into theirs. Donc on va peut-être se trouver face à des vrais ennemis. Hein? Ok, I'll look. Yes. La traque. Ouais, on a pas besoin de ça. Ça. D'accord. Oh, ça me fatiguait ces portes verrouillées. Voilà. Là. What? Sale bête. Attaque, attaque. Alors, soin. Je vais m'entraîner encore un peu à parer. Pas ça. Voilà. Il faut vraiment que je m'entraîne parce que j'ai la grosse impression qu'une grosse partie des combats, voire l'essentiel des combats, va se dérouler à la parade. Et c'est pas trop mon fort pour l'instant parce que le timing des monstres me... est complètement pourri. Voilà, ça marche. Ouais, c'est contextuel. Intéressant. Je vois. Non, je sais pas lire ça toujours. Ouh, en bas, ça sent le coffre. Vieux tissu pourri. Il y avait des réfugiés ou des trucs? Mother used this fabric to keep her child warm. They were on the run from something. J'ai bien peur qu'il se soit passé des choses pas jolies jolies par ici. Non, le sable, tu le tiens comme ça, il éclaire pas. Tu le tiens comme ça, il éclaire. C'est pratique.
Explique-moi ça. Stim crate should be here. Wait, can you carry more? Random grade. Trois doses de soins. Plus. Trois. Bien. Bah ça va aider parce que vu comment je suis une truffe en combat, les soins c'est bien. Cela dit, non, on n'est pas venu là pour rien. Y a quelque chose derrière? Bah si, on est venu là pour rien. Attendez, tout ça c'était juste pour ça? Bah oui. Bon, bah écoutez, c'est bien, j'ai trouvé un secret! Ouais, au pif. Hop là. Donc en fait, le chemin c'était pas par là, c'était par là. Logique. Vu qu'on essaie de passer dans ce hangar désaffecté. Vas-y, j'aimerais bien voir un Stormtrooper faire ça. Elle n'empêche désaffecté, mais c'est quand même en relativement bon état tout ça. Merci. Ah zut. Oh putain. Voilà. Bon, descend trompeur de base, ça va, je gère. Même pour récupérer du matos, mais apparemment les blasters ne sont pas une arme noble. Ça. Attention, cette zone est interdite. Code impérial, l'empire, toujours l'empire. Pas une porte, ça, sérieusement. Ça ressemble vachement à une maison, donc on va jeter un œil. Quelque chose me dit que ces gars de l'Empire sont pas les gens les plus sympathiques. D'abord, ils essaient de me tuer. Ensuite, ils tuent des bestioles. Puis, ils interdisent le commerce. Et où va-t-on? Ok. Ça manque un peu de réaction physique dans le jeu quand même. Hein. Je trouve. Les décors sont très très inertes, alors à part les brins d'herbe. Oh. Il y a des gens là. Ouais, c'est là qu'un blaster aurait été bien. Là. Ouais, vas-y, battez-vous contre lui là. Ça, ça m'évite du travail. Salut les gars. Ils sont étonnamment plus faciles que la faune locale. Hein. C'était. Je veux dire, la parade elle est venue toute. Elle est venue toute seule parce que leur attaque fait du sens. Il y a un peu de ça aussi. Ok, donc en gros, l'Empire est venu et a buté tout le monde, hein, globalement. Ou pratiquement tout le monde. Je vais sûrement trouver un survivant qui voudra se venger, qui m'expliquera comment faire, ainsi de suite. Et... encore des mondes, encore des mondes. Est-ce qu'on peut la jouer discret? Est-ce qu'on est obligé de tuer tous les gars de l'Empire? It's all lies. The Empire just wanted this land. Ben, les gars, ils sont venus pour faire des opérations immobilières. Par hasard, là où il y a un truc de Jedi à retrouver. Incoming! Oups. Bon. Voilà. On target. Ouais, vas-y, tiens-moi sur à travers le mur. Oh! It's all over now.
J'avoue que c'est satisfaisant. Dans ta gueule. Je ne suis pas mu par la colère, je suis mu par la satisfaction de buter des gens. Après, est-ce que c'est vraiment des gens hein? Ah, si c'est un ennemi, c'est pas vraiment des gens. Ah, les réflexes. Ça, c'est pareil. Hop là. Heureusement. Ok. Des fois, le jeu est... Il y a du mal, hein. Ah, il m'a vu, je crois, là-bas. Ah bah non. Gardien, qu'est-ce que c'est? Ouais, oh, mais ça c'est mieux. Coucou. Ils arrêtent pas d'essayer, c'est mignon. Alors, est-ce qu'on a du loot? Non, pas sur les cadavres. D'accord. On va aller par là, là. J'espère que je vais pas tomber tout de suite sur une des grandes sœurs, là, parce que... Ou sur un chasseur taille, parce que c'est compliqué, quand même. Coucou. Parfait. Je vérifie parce que si. Je vais pas m'en prendre une sur le côté. J'ai pas énormément de vie, je dois peut-être activer un steam pack. Faut vraiment que je me renseigne sur ce que font les améliorations du. Les changements du sabre en fait. Si c'est purement cosmétique ou si ça a un peu si d'intérêt. Peut-être que quand on fait des. Comment ça s'appelle? Des ensembles complets, ça donne des bonus. Surrender, nope. Nope. Voilà. Les attaques en hauteur, faut... bien. Stormtrooper. C'est comme un Stormtrooper, mais de près. Et au lieu d'avoir un blaster qui le mettra en sécurité, il y a une matraque. L'interconnecteur doit être réparé. Oui, je sais. J'aurais bien aimé les finir ceux-là, mais... De toute façon, je suppose qu'ils repop. Si je m'en vais, donc... Hein, je vais pas revenir... De toute façon, je suis pas sûr de pouvoir revenir en arrière à ce point. Hop là. Et sprint. Point de méditation. Attention, il est interdit de méditer ici. Je veux dire, il peut y avoir écrit quoi d'autre sur ce signe. Alors, pompée. Rejouer la Switch. Le A, il est pas au même endroit. Ah. Alors, je peux. Ouais. Ou alors... Non, ça c'est nul. Une autre attaque puissante après une frappe haute. Ça, je m'en suis jamais servi. Enfin, peut-être que j'essaye. Et ça, c'est le niveau de santé maximal. Le niveau de force. Je vais continuer sur ça. Sauf qu'il faut 2 points de compétence. Je vais continuer sur ça. Je sais pas trop encore. Le niveau de force, je crois que c'est ce qui permet aussi de faire des esquives. Donc, c'est intéressant, mais... Je devrais peut-être me reposer aussi d'ailleurs. Enfin, ça repop les mobs, mais. Au moins, j'ai toute ma vie. Déjà, le niveau de force, si c'est ça qui me permet de faire les blocages automatiques, je vais en avoir gravement besoin en fait. Donc, où est-ce qu'il me marque hein? Ouais, c'est le méditer. Donc. Ah oui, du coup, j'ai jamais essayé ça. Ok. C'est bon à savoir. On peut pas avoir un peu de lumière, s'il vous plaît.
Oh. Oh. C'est par là d'abord. Ça m'a l'air un peu casse-gueule. C'est pour ça que j'y vais. On dirait un secret. My friend, in the rotation since I left Pagano, I've uncovered more about the Zepho than I once believed possible. Eh bien, quelle perle de sagesse. En voyageant, j'ai appris des trucs. Cordova, Cordova, Cordova. De quoi ? J'ai dû te passer, ouais. Bon, j'avoue, c'est compliqué de faire un jeu qui puisse tenir la route dans un monde où les sabres laser existent. Parce que les portes verrouillées, c'est pas vraiment un truc possible à ce stade du jeu. Oh non, une porte verrouillée, elle fait au moins 3 cm d'épaisseur. J'ai seulement une arme qui peut traverser la matière. C'est... Forcément, je ne peux rien faire. Y'a un trou là ? Ah bah oui, je... Non mais bon, j'ai rien dit, y'a un trou. Y'a un petit trou. Hop, hop, hop. Ça c'est vachement haut. Ça sent le nouveau pouvoir de Jedi. Hop là. Ah j'avoue, une lampe torche en forme de sabre laser, ce serait la classe. Ça existe déjà d'ailleurs, donc... Hop là. Je vois pas beaucoup de turbines pour un endroit avec des turbines, c'est peut-être en dessous. Et ben voilà. Ou peut-être au-dessus. Il y a un truc qui fait du bruit. Hmm. On entend quelque chose, hein, je suis pas fou. Bon. On y reviendra sûrement. Ça, c'est le village qu'on vient de... la bestiole, là. Mauvaise idée. Attaquer pendant que je me bats. Et j'ai vu le coup en plus quoi. Ok, ça c'était bizarre. Mais où ? Putain, les trucs sont sournois, je veux dire, c'est pas super flagrant qu'ils peuvent t'attaquer. Alors, il va falloir ralentir clairement, mais. Trop tôt. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. On va sprinter et on va sauter. Oui, j'ai sorti le sabre, c'est parce que je me suis trompé de bouton. Oh la grosse bête. D'où je suis passé à quoi? Ah oui, j'ai pas ciblé aussi, ça peut pas aider. Allez, charge, charge. Mais d'où ça passe à côté, quoi? C'est ridicule. Mon attaque de charge, je vise l'ennemi, ça le touche pas, quoi. Un filac. Eh ben, je vais pas aller lire, parce que les filacs sont des grimpeurs. Oh, 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 oh. Ah ouais, quand même. Oh bah, salut les gars. Pardon. Une petite introduction au concept de missile dans la gueule.
C'est possible? Surtout que ça m'a mis dans le vide après, j'avais pas trop de choix. Je suis pas sûr de pouvoir parer des missiles au sabre laser. Oh non, sérieusement. Bon. Après ça va pas tuer donc ça va. Mais... Non, le jeu il te sans pitié, mais sur un groupe massif d'ennemis, missiles dans la bouche. Ok. Mais toi j'ai d'aïdol. On reste des êtres humains, il y a des ennemis. Enfin, un truc qui fait vite. Voilà, on va y avoir des ennemis là, et même j'essaie de me diriger un peu mieux. Comme ça. Beaucoup mieux. Oh non, quand tu le sais, c'est plus facile. Non, c'est pas toi ça. J'ai pas confiance. Ah, c'est possible. Ah. Oh. Après, c'est lui. Voilà. Donc lui. On passe bien à côté. Et c'est absolument rien, cette attaque. Regardez-moi ça. Ah, ça a touché, là. Magnifique. Ah, je vais couper une corde. J'ai l'attaque, ça va, là, ça. Il faut être toi précisément à la bonne distance, que personne ne peut pas faire un jump pour se mettre à la bonne distance, quoi. Ok. Il y a un connard lance-missile là-bas. On va essayer de parer le missile. Non, c'est rouge. Rouge, on peut pas parer. Attaque. Bien, merci. Ok, mon esquive là était pas glorieuse. Est-ce que je peux vraiment pas renvoyer le missile juste pour rire? Mais j'ai appuyé sur les Steam Pack. Bien voilà. Vu que ça paralyse totalement le perso, c'est logique. Et je voulais appuyer sur ça et puis j'ai... C'est de la merde. Bon, quoi qu'il en soit, ceux d'entre eux ils sont faciles et mous, donc c'est vrai. Mais bordel, on va pas mourir autant sur des... Genre c'est des stand-troopers presque. Avec des lance-missiles, d'accord, mais quand même. Après je suis presque sûr que je pourrais pas repousser parce que rouge en général. Et le code couleur, des couleurs qu'on esquive, qu'on part pas. Y'a pas un point de méditation plus près, c'est comment ça se réveille. Nope. Voilà. Donc nous y allons ensuite. Hop, 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 je prends pas là. Allez, on se déroule. Vous dire en fait que quand on lance le pouvoir, c'est instantané l'effet, très perturbant. Il y a une petite animation quand même à faire avant, mais... Et voilà. Donc la grosse bête, je vais arrêter d'essayer de faire des... super attaques parce que ça s'en fait servir. Bref. Voilà, la double grosse attaque c'est bien, sauf que je peux pas encore la faire. Mais la double grosse attaque simple, ça marche aussi. Ok, pas attaque. Mais la parade, jamais elle marche. Et ça me remet. À chaque fois, ça me remet au point de méditation. Et là, non. Je suis tombé dans le vide, donc je réapparais au milieu des mobs. Ensuite, les quatre connards. On va y arriver au bout d'un moment, ouais. Non, non, pas dans le vide. À un moment, ça va, les conneries. La parade. En même temps, j'avais aucun moment. Je sais. Il y a un gros défaut dans ces combats. Alors, autant c'est ridicule dans Batman quand les ennemis ils se mettent tous autour de toi et il n'y en a qu'un qui t'attaque. Autant quand t'en as 3 ou 4 qui t'attaquent en même temps et que t'as pas de bouton pour tous les arrêter, c'est compliqué. Parce que là, en gros, si je tombais la parade, je me prenais les lasers qui m'empêchent de réagir. Ou je me prenais les coups de bâton qui m'empêchent de réagir. Le problème, c'est que si je garde la parade activée tout le temps, à un moment, la jauge se vide.
et donc je peux plus réagir. Alors soit j'ai vraiment raté un gros morceau du jeu, soit là c'est légèrement unfair. Légèrement. C'est quoi, 5 fois que je fais ce passage ? Ok, je vais réapparaître au milieu parce que je commence à prendre le coup maintenant. Ah, merci. Donc lui, on va juste esquiver, lui foncer dessus. Ouais, en gros, j'ai essayé des trucs stratégiques. Non, fallait juste meuler quoi. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Ça, on l'a déjà fait tout à l'heure, ça, je commence à prendre le coup. Sauf que là, c'est dans l'autre sens, mais bon. Ça devrait aller. Ah ouais, là, on synchronise deux trucs. Ok, alors j'espère que ça va tenir là où je suis, parce que là, je me suis bien planté. Voilà. C'est un peu stressant quand même. Non. Voilà. Tout va bien. Wow, that's gotta be one of the Zepho. Guess we're on the right track, huh, BD? Je suis surpris que l'Empire n'ait pas détruit tout ça. Non mais où? Eh, des fois ils ont plus de vie, hein! Ou alors c'est le laser qui est plus faible. Arrête des Stormtroopers. Super! Ça me ramène où ça? Ah oui, c'est là où il y avait le. Enfin, c'est le passage que j'ai pris au début qui amenait sur rien. Parfait. Pourquoi des fois ils scannent, des fois ils scannent pas, ça c'est... Thanks, BD1. Ah, parce que c'est pas le même mob, simplement. Surprise. Je veux dire, il a cru qu'il avait une chance. Aussi. Wow. Voilà. Oui, la parade en pleine glissade, je sais faire. Je sens le truc un peu casse-gueule. Je vois aussi hein, le jeu qui fait du... Attendez. J'ai pas remis les... J'ai oublié de remettre les paramètres. Non, le jeu fait du level of detail très très flagrant. Ici. C'est pas grave. C'est pas de la méditation ça, non? On va arranger. Alors là, on va essayer de courir sur le mur et de faire un X pour choper le machin dans la chute, quoi. Ah! Ça marche! Allez, attaque! Bon, ok, il voulait pas. Tant pis, coupé en deux. Il y a un moment. Encore des Stormtroopers. Il re-attaque toi quand il gomme. Re-attaque. Ose. Vous voyez, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je suis au milieu d'une animation que je ne peux pas interrompre. Et je peux me faire toucher par les autres. Donc si je tombe l'esquive au mauvais moment, c'est compliqué. Oups. Et pourquoi est-ce que là, lui, j'arrive pas à le parer? Ça devient compliqué des fois, hein. Bien, lui, la parade, elle marche pas sur toutes ses attaques.
Bah c'est bien, okay. ça rend le jeu intéressant, mais quand même quoi. Là je sens qu'on va pas pouvoir y rentrer. Ouais voilà. Bah c'était rouge hein, je veux dire à un moment. Rouge ça veut dire tu peux pas. Là je sens que c'est rouge aussi. Mon instinct. I can't push it. Hey, on peut pas le pousser pour l'instant. Là clairement on peut faire quelque chose. Non mais c'est pas parce que je viens de faire chier dans ton terrier que tu peux m'attaquer. Du coup encore. Je suis chez moi, je suis un Jedi. À mon avis ils sont tous morts. Mais... Nirienna, Oscar, la Sienna. Tout le monde est mort. Attends, l'Empire c'est quand même des saletés. Ils m'ont tué 4 ou 5 fois tout à l'heure moi-même. Seer, there's a transport ship leaving the Empire's base. I heard. They plan to bring Zepho artifacts to Coruscant. What does that mean? That the Emperor is interested in Zepho? Maybe. Je connais pas ce vaisseau. Je me demande pourquoi ils se font chier à faire des ailes sur leur vaisseau parce qu'ils ont littéralement des genres de trucs anti-gravité qui leur permettent de flotter quoi. Peut-être que ça consomme trop d'énergie. Qu'est-ce que c'est ? Tête de Stormtrooper. Villager was wounded, but he took out a trooper. Ouh, un Stormtrooper tout entier. Bravo. Bon après le gars est sûrement mort, faut pas que je. What do we run into a Jotas? Well, you cover me and I'll run. Why should I cover you? Someone should survive. Might as well be me. Trop sympa quand même. Du coup, il faut que je répare l'interconnecteur. Ah, il y a un passage là que j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a une limite au sprint? Pas flagrant flagrant hein. Et c'est bien en même temps parce qu'on s'en sert essentiellement dans les phases où il se passe rien. Ça aurait été chiant qu'il y ait une limite. Bon, on a des points de compétence. Un point de compétence. Ah ça c'est nul. Non ça c'est pas nul, c'est ça qui est nul. Bref. Ouais, ça normalement je devrais pas en avoir trop besoin. Plus de vie. Plus de vie, ça peut paraître intéressant vu comment je me fais choper, mais. Vous savez quoi, je vais garder mon point de compétence pour le deuxième attaque lourde. Et on va se reposer. Je sais qu'il y a des Stormtroopers pas loin. Mais... Je m'en fous un peu. Ça dit, on va peut-être aussi s'arrêter là. Je vois qu'on en a 53 minutes. Je pense que ce genre de jeu mérite des sessions plus longues, mais pas plus longues que ça. Et donc, hop, on vient de sauvegarder. On peut voir l'arbre des compétences ici. On vient de sauvegarder, on s'arrête. Alors, je suis beaucoup mort dans cet épisode, mais bon. Des fois, ben, tu meurs. J'ai pas mieux. Allez, zou.